Des maths tout le monde. Bon alors, comme vous avez pu le voir récemment, j'ai une imprimante 3D maintenant. Et je fabrique toute une série d'outils avec. J'en ai déjà fait une petite dizaine là, que je n'ai pas encore publié. Il faut que je fasse les montages vidéo, tout ça, tout ça. Quand je pense à un outil, il y a tout un travail de réflexion, un peu de dessin. Après, je passe à la modélisation. Et quand ça me semble correct, je l'imprime. Après, phase de test, et là je vois quelques petits trucs à modifier. Comme mes fichiers 3D, je les propose après sur Internet, je réimprime le projet une deuxième fois pour voir si le fichier est correct, si les modifications marchent bien, tout ça, tout ça, quoi. Je me retrouve avec deux objets. Le premier avec quelques petits défauts et le deuxième qui est correct. Et ça sert à rien d'avoir deux objets. Je me suis dit, je vais vous proposer le deuxième objet à gagner. Donc à chaque fois que je vais créer un objet en impression 3D et que il y aura besoin d'une modification, je vous ferai gagner le deuxième. Bon, bien sûr, je vous fais gagner celui qui est bon, hein, celui qui est corrigé. Pour ceux qui ont une imprimante 3D, vous pouvez télécharger de toute façon le fichier sur Thingiverse ou Cult 3D, je mettrai les liens à chaque fois. Je vais vous faire gagner l'évolution de celui-ci. Mais comme l'a suggéré Alexandre sur la vidéo de présentation de cet objet-là, ce serait pas mal qu'il y ait un support, parce que le système là du chapelet, c'est peut-être pas forcément très pratique. Je m'en suis rendu compte à l'usage, ça fait un peu bazar. Avant de vous proposer cet objet-là, je vais fabriquer un support. Et pour ça, je vais appeler le service des bonnes idées. Ça sonne. Oui, allô? Ça va? Dis, j'aurais besoin d'une idée pour mon centreur de perçage. Il faudrait que je fasse un support. Est-ce que tu as quelque chose dans les cartons? Ah, ouais, pas mal ça. Ok, on part là-dessus. Merci. Allez, canao. C'est ma fille qui trouvait que ça ressemblait à un téléphone, donc j'ai poussé le concept jusqu'au bout. Voilà. Alors, ceux qui veulent l'imprimer, vous allez dans la description, il y a les liens Thingiverse et Cult 3D. Et ceux qui veulent le gagner, c'est très simple. Il suffit de mettre dans les commentaires « J'aime le Queen Yaman ». Avec la bonne orthographe. Hein. S'il y a la mauvaise orthographe, pas de guide. Le concours va durer environ un mois. Voilà, il y aura sûrement régulièrement des petits objets à gagner parce que j'en produis beaucoup. Et d'ailleurs, là, il y en a une qui est en cours. Dès que j'en ai en double, le deuxième est pour vous. Allez, kenao !